Samedi 14 mai, pratiquement 20h, je prends enfin le temps d'ouvrir ce vlog. Et il serait temps. Parce que oui, ce soir, c'est la session du club des Noctambules pour le printemps 2022. Donc je suis hyper contente de pouvoir y participer parce que, tout d'abord, si vous débarquez sur la chaîne, sachez que c'est un challenge littéraire que je co-organise. Donc forcément, ça me tient à cœur. Et en plus de ça, il me semble que pour ce qui est de la session d'été, je pense que je ne serai pas en mesure d'y participer parce que, si je ne dis pas de bêtises, je serai sur la route de retour des vacances. Donc je me dis que vraiment, celle-ci, il fallait pas que je la loupe. La thématique que nous avons choisie pour cette nouvelle session est de lire durant cette nuit un maximum de tomes d'une saga. Alors, je le répète, ça peut être du manga, de la jeunesse, ce que vous voulez, c'est juste qu'il faut, en tout cas si vous voulez marquer un maximum de points, lire des livres, des mangas, des BD, etc. qui font partie d'une saga. Alors autant vous dire que j'avais un choix immense, mais forcément il faut être un petit peu stratège, hein, vu qu'on a que entre guillemets, si on fait tout le challenge, 10 heures de lecture. Et que je le sais par expérience que la nuit je lis beaucoup 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 moins vite que le jour, donc j'allais pas m'embarquer sur des tomes de saga type Charcot, même si ça se lit bien, voilà, qui font dans les 600 pages. J'ai donc sorti pas mal de petites choses, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts, hein. Du thriller hyper addictif et page-turner, de la jeunesse, de la fantasy du Nadine Monfils, parce que je trouve que cette auteure est parfaite pour ses nuits de lecture. Bref, je vous montre tout ça tout de suite. Et puis sinon, petit point dosage de fatigue, sachez que j'ai fait une sieste cet après-midi, non pas en prévision de cette nuit à venir, mais tout simplement parce que j'étais HS, voilà, donc je ne l'ai pas senti venir, mais elle m'est tombée sur le coin du nez, et ma foi, elle m'a fait fort du bien. Alors, je me dis que peut-être ça va m'aider à tenir cette nuit, ou alors peut-être qu'au contraire, je suis tellement claquée que je vais lire 3 heures et que je vais rejoindre mon lit, c'est tout à fait possible. Je vous avoue que je pars pas trop en mode winneuse hein, pour cette session, voilà, vraiment je suis un peu claquée. En plus de ça, demain midi, j'ai un repas de famille. Voilà, je ne sais pas trop dans quel état je serai, mais je risque de ne pas être extrêmement fraîche. Mais bon, c'est pas grave, je ferai avec. Après tout, personne ne me force à faire mes nuits de lecture. Toujours est-il donc que je doute fort de faire le challenge jusqu'au bout, mais ma foi, ce qui sera pris, sera pris. Ce sera toujours quelques heures que j'aurai pour moi de tranquille, de calme, où je pourrais me consacrer seulement à la lecture. Bien sûr, comme d'habitude, en compagnie du Minoucha, hein, parce que je suis pour le coup prête à parier un bon gros bifton qu'elle ne va pas me lâcher de toute la nuit. Donc voilà, je suis pas sûre de tenir très longtemps, mais ma foi, on va quand même tenter l'aventure, et puis vous l'aurez donc compris, je vous embarque avec moi pour cette petite nuit de lecture. Alors, niveau bouquin, justement, qu'est-ce que j'ai sorti? Je vais commencer par la petite pile là. Je me suis sorti Level 26 d'Anthony Zwicker. Ouais, c'est ça, Zwicker aux éditions. J'ai lu, bon, on est sur du 438 pages, mais je trouve que c'est écrit assez gros, assez aéré, avec des chapitres courts. Voilà, là pour le coup, je sens typiquement le thriller hyper page-turner, voilà, qui se bouffe. C'est donc un tome 1 d'une trilogie, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je sais plus s'il y a 3 ou 4 tomes. Il me semble que c'est une trilogie, à vérifier. Donc voilà, avec une histoire d'échelle un peu, du glauque de tueur en série, voilà, on classe un peu les meurtriers de, je crois, 1 à 25, et là on a un cas qui est classé 26, autant vous dire le mec le plus dérangé de la Terre, j'en sais pas plus, mais voilà, ça fait un moment qu'il traîne dans ma page, je me dis un moment ou un autre, va falloir que je sorte, parce que c'est typiquement le genre de roman qui normalement est censé être à peu près ma came, donc voilà. Potentiellement, je pourrais peut-être le sortir cette nuit. Sinon, j'ai également sorti, comme je le disais, un Nadine Monfils, Le Fantôme de Fellini aux éditions Pocket. C'est le tome 5-6 des aventures du commissaire Léon. Je n'ai pas lu le résumé, je ne vous le lirai pas parce que, comme je le dis souvent, les aventures créées par Nadine Monfils, ça part d'un point A et ça finit à un point Z. Donc,
Je trouve qu'en général, il n'y a vraiment pas d'intérêt du tout à lire le résumé. Je sais juste qu'on va y retrouver du coup notre très cher commissaire Léon avec son chien Bubblut, qui est un gros pervers, un brin dégueulasse. Vous le savez si vous suivez la chaîne, j'aime beaucoup Nadine mon fils, j'adore son univers complètement décalé, déjanté, et j'aime beaucoup justement la saga du commissaire Léon. Donc voilà, et puis comme d'habitude, c'est des romans très courts qui font un tout petit peu plus de 200 pages et je sais que ça se lit très très bien. Donc ça, il y a vraiment de fortes chances pour qu'il y passe cette nuit. En tout cas, j'espère, je croise les doigts. Sinon, dans le genre qui se lit toujours hyper vite, qui est un petit peu mon petit péché mignon, mon petit bonbon que j'aime déguster de temps en temps, j'ai sorti le tome 4 de Geek Girl, écrit par Oli Smal aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai effectivement lu les 4 premiers tomes des aventures d'Harriet Manners, qui est donc maintenant lycéenne, une anglaise qui est une grosse geek, hein, disons-le, qui à la base n'y connaît rien à la mode et s'en fiche complètement, et qui va un jour se retrouver parachutée dans le monde de la mode en tant que mannequin. Alors ça, c'est le premier tome, et puis par la suite on continue à suivre ses aventures. Voilà. Moi, ça me fait beaucoup de bien. J'adore cette petite série hyper, hyper mignonne, hyper rafraîchissante. Harriet Manners est drôle. Elle a toujours plein d'anecdotes et de chiffres sur plein de choses. Et des anecdotes qui sont vraies. Hein. Des anecdotes sur l'univers qui me font en plus apprendre des trucs. Je trouve ça vraiment très chouette. J'adore son côté geek et gauche qui n'est pas sans me rappeler certains traits de mon propre caractère. Donc voilà, c'est vraiment un personnage là encore que j'aime beaucoup. On est sur du 450 pages, mais bon, pareil, hein, ça reste du jeunesse, ça se lit franchement bien. Donc je me dis, pourquoi pas, si j'ai envie d'un truc, voilà, léger, un peu doudou, réconfortant, ça passera très bien. Toujours dans le jeunesse, j'ai aussi sorti Hotel Summertime, le tome 2, qui s'intitule donc Tania, de Louise Byron. C'est aux éditions quoi déjà ? Flammarion. J'ai lu le premier tome, il y a un moment, je pense que c'était au tout début de la chaîne, il y a peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Et c'était du très bon jeunesse, c'était vraiment très sympa. Et là, clairement, quand j'ai pensé tome de saga qui se lit hyper bien, qui serait pas trop gros, j'ai direct pensé à celui-ci parce qu'on est sur du jeunesse, écrit, vous voyez quand même, super gros, et on est sur du 230 pages, mais écrit façon jeunesse, quoi. Donc, ouais, je pense que celui-ci, ce serait, à mon avis, un choix plutôt stratégique. Bon, alors, sorti sans trop y croire, mais je me dis, pourquoi pas, on verra, on se laissera porter. Le tome 2 des Chroniques Lunaires, qui s'intitule donc Scarlett, écrit par Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Pareil, j'ai lu le premier tome, je pense qu'il y a bien 2 ans maintenant. Et à ma surprise, à ma grande surprise presque, franchement, j'avais bien aimé le premier tome, alors que c'est vraiment, pour le coup, un type de lecture que j'ai pas du tout l'habitude de faire. On est vraiment dans de la fantasy pure, et voilà, c'est vraiment pas quelque chose que je lis régulièrement. Mais je sais pas, avec cette saga, en tout cas avec le premier tome, j'avais bien accroché, donc je me dis pourquoi pas. Ce deuxième tome est dans ma pile à lire depuis un moment, donc un moment ou un autre, il va quand même falloir que je le sorte. Comme j'ai dit, c'est peut-être pas un choix hyper judicieux parce qu'on est sur du presque 500 pages, mais je trouvais qu'il avait en tout cas sa place dans cette thématique. Autre Nadine mon fils, parce que comme ça je me laisse le choix. J'ai sorti donc Elvis Cadillac de Nadine mon fils aux éditions Pocket. Je crois que celui-ci c'est un tome 1, le tome 1 donc de la saga sur Elvis Cadillac. Et dans mes souvenirs, j'ai lu le tome 2, voire peut-être même le tome 3. Donc voilà, à un moment il serait temps que je rattrape mes bêtises entre guillemets et que je lise enfin le tome 1. Et sinon, on est avec un sosie belge d'Elvis qui a une petite chienne Carlin comme ça qui s'appelle Priscilla ou quelque chose comme ça. Enfin bref, on est encore dans l'univers complètement loufoque et coloré de Nadine mon fils, et voilà, moi j'ai pas besoin d'en savoir plus. Je me suis sorti aussi 2 autres livres de fantasy qui traînent là encore depuis longtemps dans ma pile à lire, et je sais pas pourquoi, vraiment, ouais, je sais pas pourquoi je les fais traîner. C'est donc La Belle, enfin l'histoire de La Bête et Miroir Miroir, qui sont donc 2 tomes de la saga des vilains. Écrit par Serena Valentino, je crois. Non, pourquoi je dis ça? C'était une chanteuse, Serena Valentino. Comment elle s'appelle, elle?
Ah bah si, Serena Valentino. C'était pas aussi le nom d'une chanteuse dans les années 90-2000. Je vais faire mes petites investigations et si c'est le cas, je vous mettrai peut-être un petit extrait. Bref, revenons à nos moutons. On est donc sur de la réécriture de contes de Disney. C'est hyper court. C'est pareil, c'est du jeunesse young adulte qui se lit hyper bien. On est à chaque fois sur 200 pages, mais alors écrit plus aéré, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est typiquement, je me dis, le genre de bouquin qui est parfait pour cette nuit. Donc ouais, je me dis, allez, pourquoi pas, parce que vraiment, j'ai déjà lu deux tomes, je crois, de cette saga, celle sur Ursula et... Enfin, celui sur Ursula et... Il me semble que j'en ai lu un autre, je suis sûre même, mais je ne sais plus sur qui. Bref, donc il est grand temps que j'avance enfin dans cette saga. Alors, tous les tomes ne se valent pas, hein. Certains sont clairement meilleurs que d'autres. Mais voilà, je suis une grosse fan de Disney, donc forcément, j'ai très envie de le lire. Et pour terminer, j'ai sorti un tome 1, là aussi, d'une nouvelle saga. Il s'agit du dernier message de Nicolas Beugler aux éditions Pocket. J'ai pratiquement rien lu, donc voilà, je me dis pourquoi pas le continuer ce soir. J'ai terminé la trilogie de Nicolas Beugler autour du personnage de Sarah Geringen. Et là, on repart donc avec un nouveau personnage féminin qui s'appelle Grace Campbell. Ça se passe pour le coup non plus en Suède, Finlande, je ne sais plus où était l'autre saga. Mais toujours est-il qu'ici, nous sommes en Écosse. Et pour l'instant, ça démarre un peu mollasson, dirons. J'ai un peu de mal avec, alors pas forcément le personnage de Grace, mais la façon dont elle nous est présentée et amenée. Bon, bah, avec Nicolas Beugler, mais ceci dit, je le savais, et voilà, c'est assez habituel chez lui. On est quand même avec des situations assez invraisemblables. Mais bon, voilà, je le sais, je l'accepte, ok, je crois pas à l'histoire, mais vas-y, je veux bien te suivre. Mais voilà, on verra bien, on est avec donc l'inspectrice Grace Campbell qui a été mise au placard par ses supérieurs parce qu'elle a pris du poids au point qu'elle était devenue obèse, je crois. Toujours est-il que donc, à cause de son poids, un jour où elle poursuivait un méchant, elle n'a pas réussi à le rattraper et ça a foutu en l'air des années ou des mois, je ne sais plus, d'investigation. Donc c'est plutôt mal passé auprès de sa hiérarchie. Donc elle est mise au placard. Depuis, elle fait plus que essayer de résoudre des petits conflits de voisinage. Enfin, vous voyez, des trucs sans intérêt. Sauf que voilà, un matin, son supérieur l'appelle, il a elle sous la main, il l'envoie sur une île complètement paumée au large de l'Écosse, sur lequel il y a un monastère. Et dans ce monastère, il y a un meurtre, d'ailleurs particulièrement dégueulasse, qui a été perpétré. Et voilà, disons que Grace va devoir enquêter sans trop faire de vagues pour pas trop que ça s'ébruite. Et bah, ce monastère est fermé, donc on se retrouve du coup avec une sorte de huis clos, un peu, vous voyez, à la Agatha Christie. On se dit forcément le meurtrier est parmi les 5 moines qui étaient dans ce monastère. Et voilà, pour l'instant j'en suis là. Je vous dis, hein, j'ai très peu lu en fait de ce roman. Ça reste du Nicolas Beugler, hein, donc ça se lit très bien, il n'y a pas de souci, les chapitres sont courts, mais je sais pas, il me manque un truc qui me mette direct vraiment dans le bain. Là, pour l'instant, le début est un peu mouligasse. Bon, à voir. Sinon, on est sur du un peu plus de 400 pages, je crois. Ouais, tout juste plus de 400 pages, mais bon, avec l'écriture, vous voyez, de Nicolas Beugler, hyper page-turner, etc. Ça va, c'est pas du 400 pages à la Nietzsche, quoi. Donc voilà, j'ai une jolie petite pile de bouquins pour cette nuit. Vous l'aurez compris, clairement, je ne lirai absolument pas tous ces livres pendant ces 10 heures potentielles de lecture. Je le rappelle, je doute clairement de faire 10 heures de lecture, mais bon, qui vivra verra, comme on dit. Et puis, ouais, pour l'instant, il est donc 20h08, Mininou dort depuis un petit quart d'heure. De mon côté, tout de suite, ça va être rangement de ses jouets dans le salon, et surtout, petit apéro avec le chéri. Et du coup, de mon côté, bah, je vous retrouve à 22h, lorsque le challenge débutera. Allez, c'est parti! Coucou. Oui, alors je me doute, certains d'entre vous se demandent très probablement pourquoi je vous reprends en plein jour, habillée complètement différemment de
du rush précédent? Eh bien, tout simplement parce que ma nuit des noctambules a été un énorme flop. Pourtant, j'étais hyper motivée, j'avais très très envie de faire cette nouvelle session, mais assez rapidement après avoir débuté à 22h comme il se devait, j'ai commencé à ressentir des petites nausées et à me sentir franchement un peu patraque. Je pense très probablement que le reste de gastro de Mininou n'y était peut-être pas pour rien dans cette histoire. Toujours est-il que clairement mon corps m'a fait un énorme fuck. Il m'a dit non ma grande, tu ne feras pas cette session, tu vas aller te coucher parce que ton gentil petit corps a besoin de recharger ses batteries pour combattre la maladie. Voilà, vous l'aurez donc compris, à peine minuit passé, j'ai dû rendre les armes. Et par conséquent, je n'ai malheureusement pas pu faire grand chose de mon challenge. Mais du coup, parce que j'avais vraiment envie de m'accorder ce moment de lecture qui n'arrive déjà pas si souvent, de pouvoir m'accorder vraiment ce moment de lecture pour moi, eh bien je me suis dit que c'était pas grave, que j'allais m'organiser une petite session de rattrapage tranquillou dans mon coin. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi 17 mai et j'ai donc prévu ce soir de me faire ma petite session du club des noctambules toute seule dans mon coin. Les conditions ne sont donc pas forcément optimales puisque je ne pourrais pas partager ça avec les autres du groupe, mais je me dis que c'est mieux que rien. Du coup, je vais reprendre, je crois que dans les derniers rushs vous avez parlé du fait que j'avais entamé le dernier message de Nicolas Beugley. Je n'ai toujours pas terminé, donc j'ai pour projet de le terminer donc ce soir, de vous débriefer forcément ce que j'en aurais pensé, et du coup également de reprendre ma petite pile à lire que je m'étais faite au préalable pour cette session et d'aller piocher dedans histoire de m'aventurer dans des tomes de saga littéraire, puisque je rappelle c'était donc la thématique de cette session. Donc voilà, c'est pas grave, on va dire que je la fais un peu à rebours, mais je la fais tout de même. Alors là, tout de suite, je me sens plutôt en forme, donc je croise les doigts pour que ça dure. Mininou n'est pas malade, donc potentiellement, il n'est pas censé me refiler ses germes. Donc j'espère que tout va bien se passer ce soir. Par contre, nous sommes mercredi, et qui dit mercredi dit Top Chef. Et bon, ceux qui regardent Top Chef le savent, ça ne finit pas à 22h. Donc je pense que je débuterai ma session en regardant d'un œil la fin de Top Chef. Et puis du coup, bah moi je vous retrouve une fois que Top Chef sera terminé pour vous dire où j'en serai dans mes lectures et vous dire dans quelle lecture potentiellement je me lancerai. Voilà, donc petit changement de programme, mais ma foi, pourquoi pas. Hein, on fait comme on peut dans la vie. Sur ce donc, je vais terminer les quelques petites choses que j'ai à faire avant ce soir, et surtout avant que Mininou revienne de la crèche, et puis ensuite, bah, ma foi, je vais m'y mettre, et puis on va se tenir au courant toute la nuit, et je vais vous parler bouquins. Je pense que vous êtes là pour ça. Bon, et bien finalement, je vous reprends, il est 1h-10, et je sens déjà que ça va être compliqué. Comme je l'ai dit, j'ai regardé Top Chef et j'ai lu un tout petit peu en même temps. Mais soyons sincères, je n'ai vraiment pas beaucoup avancé. Je suis donc toujours dans le dernier message de Nicolas Beugley. J'ai débuté mon challenge. J'en étais à la page 290. Donc si je le termine, et il faut que je le termine là, cette nuit, j'aurais lu 110 pages. Je ne vous cache pas que... ouais, je suis vraiment pas emballée, quoi. Depuis le début, je le sens... enfin, il me semble que je vous l'avais dit, que assez rapidement dans ma lecture, j'avais compris que ça n'allait clairement pas du tout être un coup de cœur. Et effectivement, il y a des choses qui m'embêtent beaucoup. On est de bout en bout dans l'invraisemblance. Je ne crois absolument à rien de ce que je lis. Alors heureusement, il y a un côté très divertissant, assez page-turner, même si je ne lis pas non plus avec une frénésie de dingue, mais bon, on sent quand même que c'est une lecture, en tout cas l'écriture est faite pour donner envie vraiment de lire, et d'ailleurs d'avoir une lecture assez rapide, donc ça aide effectivement à vouloir avancer dedans, mais
l'enquête me passionne pas, je suis pas dingue du tout des personnages. Donc voilà, pour l'instant c'est assez compliqué, mais je veux voilà, le clôturer cette nuit, comme ça ce sera fait et je pourrai vous faire un débriefing beaucoup plus complet. Mais là, j'ai envie de faire une petite pause, de me lancer dans autre chose. Et donc pour ça, je vais sortir ce petit tome 2 de Hotel Summertime que je vous avais présenté, écrit par Louise Byron. Normalement, c'est un tome qui va reprendre le même lieu géographique que dans le premier tome. Dans le premier, dans mes souvenirs, on avait une histoire autour de une espèce de vieux manoir qu'une jeune fille avait réussi à sauver de la destruction. Bref, une histoire jeunesse, toute mignonne, avec des personnages, là encore, plutôt bien écrits, pas caricaturaux, et voilà, c'était vraiment, dans mes souvenirs, une lecture très sympa. Donc je vais me plonger là-dedans. On est sur du 236 pages, donc ce sera parfait, et puis, comme je vous l'avais montré, écrit assez gros. Donc voilà, ouais, j'ai envie d'un petit truc léger, facile à lire, parce que clairement mon cerveau à cette heure-ci n'est pas calibré du tout pour lire du Nietzsche, donc je pense que ça, ce sera parfait. Et mon objectif ultime pour cette nuit, si j'arrive à rester éveillée et à lire à un rythme qui ne soit pas trop lent, ce serait donc de lire le tome 2 d'Hôtel Summertime, de terminer le dernier message et d'arriver à lire entièrement l'un de ces deux bouquins. Je vous les avais montrés. Ce sont donc deux tomes des réécritures des vilains, des méchants de Disney par Serena Valentino. Et voilà, je pense qu'il y a moyen. En soi, c'est pas un goal insurmontable, mais ouais, comme je vous disais, je sens déjà quand même que la fatigue est là. On va pas se mentir. Depuis que je suis devenue maman, je crois que ma résistance à la fatigue est bien moindre que ce qu'elle n'était. Donc, voilà, je vais essayer de rester éveillée le plus longtemps possible. Je vais essayer de lire le plus possible. Et puis voilà, on fera au mieux. Sinon, normalement, si je me remets dans le contexte du challenge, à cette heure-ci, il y avait déjà un premier défi qui était tombé sur le groupe. Le seul d'ailleurs auquel j'avais du coup participé, il s'agissait de citer une saga littéraire que l'on n'aimait pas et de dire pourquoi. Et je n'y ai pas réfléchi depuis, mais je pense que ma réponse sera la même que j'avais donnée ce soir-là. J'essaierai d'ailleurs de vous la mettre en incrustation. À savoir que j'ai pas vraiment de saga que je n'aime pas, parce que en général quand j'en commence une et que je sens que je vais pas accrocher, bien souvent je l'abandonne et mon cerveau a tendance à l'oublier. Mais il y a tout de même une saga littéraire que pour le coup j'ai lu en entier, et d'ailleurs aujourd'hui je me demande toujours comment et pourquoi je suis allée au bout de ces trois tomes, à savoir les 50 Shades of Grey, parce que on va pas se mentir, c'est nul. Voilà, c'est écrit avec les pieds. La relation est ultra problématique, l'histoire tient en trois lignes. Il y a tellement de problèmes en fait dans ce livre, et je me demande pourquoi. Enfin, bon, à l'époque il y avait tout un raffut médiatique autour, donc je pense que c'est pour ça que je l'avais lu, mais pourquoi est-ce que je suis allée au bout des trois tomes? Ça c'est une question à laquelle je n'ai pas encore su répondre. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ces bouquins sont toujours chez moi, qu'ils vont faire partie du prochain gros chambardement que je vais faire dans ma bibliothèque, puisque je vais me séparer de beaucoup de livres. Et puis, une chose est certaine, c'est que jamais, au grand jamais, je ne les relirai. Voilà, je pense que, typiquement, si demain quelqu'un veut me torturer, il n'a qu'à me forcer à relire cette trilogie. Et à mon avis, je ne le vivrai pas très très bien. Bref, sur ce, histoire d'essayer de me réveiller un petit peu, je vais aller me faire un thé, et en même temps que je vais lire, je vais me vernir les ongles, parce qu'en tant que maman, c'est pas évident d'arriver à se trouver un créneau horaire pour se faire les ongles, ce qui arrive du coup très rarement. Et d'ailleurs à ce sujet, si vous avez une marque de vernis à ongles qui soit durable, voilà, qui dure plus d'une journée et demie sur les ongles,
Je suis franchement preneuse parce que, comme je le disais, hein, si toi également tu es maman, tu sais à quel point c'est difficile de se dégager du temps pour ce genre de futilité entre guillemets. Et du coup, quand j'arrive enfin à m'occuper de ça et que malheureusement je vois que une journée après c'est déjà complètement fichu parce que bah oui, excusez-moi, je fais la vaisselle, je fais du ménage, je tape au clavier, bref. Mes mains vivent leur petite vie, elles ne restent pas statiques en l'air H24. Et donc par conséquent, ouais, mes marques que j'ai actuellement de vernis sont franchement pitoyables et tiennent très très peu de temps. Et ça a tendance à franchement m'agacer. Donc ouais, si vous avez une bonne marque, genre un vernis qui résiste à l'épreuve de la vie, je suis preneuse. Bon, sur ce, après ces considérations futiles, je vais donc, comme je le disais, aller me faire une petite tasse de thé et retourner bien gentiment à ma lecture, accompagnée du Minoucha, qui est effectivement déjà dans son panier. Elle m'attend, elle est posée. Et puis, ben, je vous reprends dès que j'aurai des trucs intéressants à dire, dès du coup, je pense potentiellement que j'aurai terminé Hotel Summertime, et puis... Et voilà, on va avancer comme ça. Croisez les doigts pour que je ne m'endorme pas dans les 10 prochaines minutes. Bon, il est 3h30 passé. Je ne vous cache pas que ça devient très difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin terminé le dernier message de Nicolas Beuglé. Et comme je m'y attendais, ouais, je dois avouer que je suis franchement un peu déçue de cette lecture. Je pense pouvoir dire que très clairement ce jour c'est le Nicolas Beuglé que j'ai le moins aimé. Et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment des thématiques de fond hyper intéressantes. Mais voilà, le problème c'est que pour moi autour de ça il y avait beaucoup trop de choses qui n'allaient pas et qui m'ont gêné tout au long de ma lecture. Et non, vraiment ça l'a pas fait. Je vous en parlerai demain plus en détail et façon peut-être un peu plus structurée parce que là mon cerveau à 3h30 du matin n'est plus vraiment structuré, vous vous en doutez. C'est tout ce à quoi je m'attendais, c'est très mignon, on retrouve nos personnages du premier tome, en tout cas une partie des personnages du premier tome et voilà, ça se met gentiment en place, c'est choupinou tout plein, j'en suis qu'à la page 40. Mais voilà, ça se lit vraiment très bien, ça repose le cerveau et c'est parfait. Donc je vais essayer d'avancer là-dedans jusqu'à ce que, non pas que mort s'en suive, mais jusqu'à ce que mon corps me lâche et me dise « rejoins ton lit ». Je pense que ça risque d'arriver assez rapidement. D'ailleurs, je pense à ça à cette heure-ci lors du challenge. Je pense qu'il y avait le deuxième défi qui avait été posté. Deuxième défi qui consistait à faire deviner une saga littéraire avec trois emojis ou trois mots. Donc ouais, j'essaierai de vous mettre ça juste là et de vous faire deviner du coup une saga littéraire que j'avais en tête. Donc voilà, à vous de jouer et puis bah, n'hésitez pas à me mettre vos suggestions en commentaire. Sur ce donc, comme je le disais, je vais retourner tranquillou bilou dans Hotel Summertime parce que très clairement à 3h30 du matin, mon cerveau n'est pas capable de lire grand chose de plus je pense. Et puis à mon avis, je pense que je vous reprendrai demain. Dans tous les cas, je vais vraiment faire en sorte
même si je n'arrive pas à le terminer cette nuit, de le terminer demain pour vous débriefer du coup mes deux lectures. Et puis au moins vous aurez eu deux avis lecture dans cette vidéo, c'est déjà pas si mal. Vous l'aurez compris, hein, mon objectif de lire ce livre et de lire en plus un livre sur les méchants de Disney me semble très fort compromis. C'est pas grave, déjà deux lectures c'est très bien. Trêve de blabla, je retourne à ma lecture et je vous reprends soit un petit peu plus tard dans la nuit, soit sinon demain pour vous reparler un petit peu de tout ça à la lumière du jour. Bon, et bien comme je vous l'avais dit, on se retrouve du coup le lendemain. Effectivement, j'ai continué à lire un petit peu après vous avoir quitté, mais j'ai fini par rendre les armes à plus de 4 heures passées du matin. Bizarrement, je me sens plutôt en forme alors qu'en fin de compte, j'ai dormi à peu près 4 heures cette nuit. Je pense très clairement que je vais le payer très cher ce soir et qu'à mon avis, à 9h, je vais être raide comme une carpette. Mais bon, pour l'instant, ça va, je tiens plutôt bien le choc. Toujours est-il que du coup, niveau lecture, j'ai pu terminer, je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs, le dernier message de Nicolas Buckley et également Hotel Summertime, le tome 2 écrit par Louise Byron. Du coup, comme promis, je reviens pour vous dire tout simplement ce que j'ai pensé de ces deux lectures avec un cerveau un petit peu plus frais. On va donc commencer tout de suite par le dernier message. Je crois que je vous avais résumé l'histoire et aïe, malheureusement, je dois dire que je commence à avoir lu pas mal de romans de Nicolas Buckley. Et pour moi, c'est clairement son roman le moins réussi. Je crois que je vous l'avais dit, mais déjà dans la trilogie autour du personnage de Sarah Geringen, donc qui est sa trilogie précédente, composée de Le Cri, Complot et le troisième dont j'ai complètement oublié le titre. Déjà dans cette trilogie, je vous avais dit que j'avais noté quand même certains éléments récurrents qui me posait problème, mais il n'en reste pas moins que voilà, ça se lisait bien, c'était divertissant et que finalement, lorsqu'on savait de quoi dans quoi on s'embarquait, c'était pas si désagréable que ça. Le problème avec ce nouveau titre, c'est que non seulement j'ai retrouvé justement ces défauts que je reprochais déjà à l'auteur dans ses tomes précédents, mais qu'en plus j'y ai noté d'autres éléments qui ont rajouté, on va dire, des points négatifs à ma lecture. Tout d'abord, mais bon, ça c'est habituel justement chez Nicolas Buckley, ne vous attendez pas à un roman policier réaliste. Bien au contraire, si vous suivez la chaîne, il n'y a pas longtemps, je vous parlais du roman Matrice de Céline Danjean et je vous disais justement que l'une des choses que j'avais particulièrement aimé dans ce roman, c'était son côté hyper réaliste, hyper... Il y a un fantôme chez moi, je crois. Bon, ma foi, il y a quelque chose qui a bougé, mais rien n'a été cassé. J'irai voir après. Bref, je disais donc que dans Matrice, j'avais particulièrement aimé le côté hyper réaliste, hyper crédible de toute l'enquête. Et ben là, pour moi, on est complètement dans ce dont je vous avais parlé dans cette petite lecture, à savoir ce type de roman français qui s'arrange franchement avec la réalité pour faire rentrer les idées de l'auteur voilà, dans un schéma qu'il a en tête. Et puis, bon, bah, le réalisme, la crédibilité, c'est pas grave. On s'en arrange, on la met sous le tapis et puis on l'oublie. On est complètement, pour moi, dans le schéma ici du script de film hollywoodien. Ça bam dans tous les sens. On insuffle un rythme haletant de façon parfois totalement irréaliste, mais c'est pas grave, c'est du divertissement et le lecteur ne doit pas s'ennuyer, donc allons-y à fond les ballons. Le problème, c'est qu'avec ses romans précédents, ça avait déjà été le cas et effectivement, je ne m'y étais pas ennuyée, alors que là, si. Je suis désolée, je vais juste bouger parce que là, je suis derrière la baie vitrée et je suis en train de juste cuire à cause du soleil. Alors, peut-être que mon ennui vient du fait que j'ai de plus en plus de mal avec ce type de roman qui manque franchement de crédibilité et que le divertissement pur ne me suffit plus, c'est possible. Toujours est-il, et je vous l'avais dit, que dès le début de ma lecture, j'ai vraiment
sentis que je n'allais croire en rien de ce que l'auteur allait me raconter. Malheureusement, ce fut le cas tout du long. Rien n'était réaliste, que ce soit dans les situations, dans les personnages, dans les réactions des personnages, dans les procédures, dans les enchaînements des événements. Les cliffhangers en fin de chapitre, pour moi, étaient vraiment trop gros. On sentait clairement, de façon assez lourde, que voilà, c'était posé là comme ça pour donner envie de lire le chapitre suivant. Et puis, je crois que de façon générale, j'ai vraiment trouvé que l'auteur avait manqué de finesse dans l'écriture. Et puis alors au niveau construction narrative, la moindre des choses que l'on puisse dire, c'est que Nicolas Beauclerc, je trouve, ne s'est pas foulé. Pour moi, il nous a fait vraiment un copier-coller de son roman Le Cri. Alors, même si de façon globale, je trouve que l'auteur a tendance à, de toute façon, reprendre toujours le même type de construction dans ses romans. C'est vrai que là, vraiment, comme dans Le Cri, on débute avec un meurtre dans un lieu clos, dans un lieu un peu reculé. Puis le personnage principal, qui bien sûr cache de lourds secrets et a des problèmes dans sa vie personnelle, va rencontrer un autre personnage avec qui il va faire équipe et qui va l'aider à enquêter sur ce mystère, ce qui vont les amener tous les deux dans une course-poursuite au travers de différents pays du monde. Le tout sur un vague fond de faits historiques et ou scientifiques. Voilà, je pense que si vous avez lu Le Cri, le résumé que je viens de vous en faire va clairement faire écho au tout premier roman de l'auteur. J'ai trouvé vraiment trop de similitudes entre les deux romans et ça m'a donné ce sentiment que l'auteur ne s'était pas foulé. Et alors pour ce qui est du côté Écosse, du fait que l'auteur positionne son action, en tout cas son action de départ, en Écosse, là aussi j'ai été déçue, parce que moi, quand j'ai ce résumé Écosse, je m'attends à être dépaysée, à ressentir cette ambiance écossaise au moins un minimum, et là ça n'a pas été le cas du tout. Très sincèrement, il aurait pu situer son action au Canada, en Norvège ou même au Népal, très clairement, pour moi, ça ne faisait aucune différence. De plus, je crois que ce qui n'a pas non plus du tout aidé dans ma lecture, c'est que j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage principal, qui est donc l'inspectrice Grace Campbell, parce que là encore, je ne l'ai pas trouvé crédible du tout. J'ai trouvé que la façon dont l'auteur traitait ses problèmes de poids était assez maladroite. Ça m'a donné le sentiment que l'auteur avait choisi ça pour en faire un personnage différent, mais sans vraiment savoir finalement de quoi il parlait. Ça tombait presque un peu comme un cheveu sous la soupe. Et ouais, j'ai vraiment eu ce sentiment que le personnage de Grace manquait cruellement d'humanité, et par conséquent, je n'ai eu aucune empathie, aucun attachement à ce personnage. Elle aurait pu mourir dans des circonstances absolument atroces que ça ne m'aurait fait ni chaud ni froid. Et c'est bien dommage parce que finalement, au-delà de tous ces défauts qui m'ont dérangé, eh bien, la trame de fond du roman a été hyper intéressante. L'auteur aborde vraiment des thématiques qui, pour le coup, m'intéressaient. Le problème, c'est que là encore, je dirais que la façon dont il les a traités, dont il les a mis en scène, et même la façon dont il s'en est servi dans son histoire, n'a pas su complètement me convaincre. Pour moi, il n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà, ça n'a pas été traité de la façon peut-être la plus judicieuse, en tout cas selon mon humble avis, qui aurait pu être mise en place. Et ouais, pourtant c'était bien le seul élément qui m'a autant soit peu tenu en haleine durant cette lecture, mais voilà, même à ce niveau-là, je trouve qu'il y avait vraiment des choses à retravailler. Là encore, je trouve qu'il est parti dans le too much et les explications manquaient à la fin vraiment de fluidité. En fait, quand on s'attaque à de telles thématiques, je pense qu'il faut savoir prendre le temps de creuser la question, parce que ce sont des thématiques tellement vastes et tellement complexes. Mais vous l'aurez compris, hein, la profondeur et le fait de prendre son temps, ce ne sont pas vraiment le credo, je dirais, de l'auteur. Et c'est bien dommage parce que pour moi, il gagnerait vraiment en efficacité et en qualité à peut-être prendre plus son temps parfois et être moins dans cette recherche.
Voilà, du page-turner, de l'histoire qui bâme tout le temps, de l'action qui va à 100 à l'heure. Alors, c'est très clair, hein, avant de commencer cette histoire, je m'attendais complètement à y trouver ce type de roman, voilà, page-turner, où ça bâme tout le temps, où, comme je le dis, le rythme est effréné parce que j'ai déjà lu l'auteur, et voilà, je commence à connaître un peu sa plume et son mode de fonctionnement. Mais là, j'ai trouvé que c'était juste trop, et à tous les niveaux en fait. Alors attention, ça n'a pas non plus été une lecture désagréable ni pénible, et je suis persuadée que les lecteurs qui recherchent vraiment du divertissement et voilà, et de l'action pure pourront très probablement complètement adhérer à cette histoire, mais pour ma part, je trouve qu'il s'est un peu loupé. Alors s'il vous plaît, ne me jetez pas des pierres, je sais parfaitement que Nicolas Beuglé a une énorme base de fans, tout comme une vieille oreille, mais voilà, c'est malgré le fait que ce soit des auteurs que moi-même je lis et dont parfois j'apprécie vraiment le travail, je vous rappelle, j'ai eu de très beaux coups de cœur pour les romans, pour certains romans en tout cas d'Olivier Norek, et bien malgré ça, et malgré le fait que ce soit des auteurs hyper bankable, etc., bah parfois, je trouve qu'il y a des loupés et je trouve ça important aussi de le dire. En tout cas, de vous donner mon ressenti personnel. Je sais qu'il y a des personnes qui ont adoré ce roman et tant mieux pour eux, mais j'ai aussi pu lire des commentaires de personnes qui partageaient mon avis, donc voilà. Je me dis que je ne suis pas la seule dans ce cas. Et ouais, une fois de plus, je trouve ça important vraiment de vous livrer mon avis vrai, tel que je le ressens. Donc voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ne vous vexez pas, hein, ça ne veut pas dire, je ne sais pas, que vous êtes nul ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on a eu des ressentis complètement différents. Donc oui, allez vite dans les romans, ok, parfois ça peut être très bien et ça peut donner vraiment voilà, un entrain dans la lecture, mais trop parfois, et bah, ça peut tout gâcher. Et là, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Et puis après, il faut que je me rende aussi à l'évidence, hein, peut-être que ce type de roman hyper page-turner, ce n'est plus fait pour moi, c'est possible. Encore que, même le côté ultra divertissant que je m'attendais à y retrouver, comme je l'ai dit, n'a pas non plus su complètement me captiver. Bon, en tout cas, pas comme il aurait dû. Je sais donc que ce titre est le premier tome d'une saga, comme j'ai dit, autour du personnage de Grace, et je tenterai très probablement le tome 2, tout simplement parce que je voudrais enfin savoir quel est le fucking secret qu'elle cache dans son appartement. Si vous lisez ce roman, vous verrez de quoi je parle. Donc, juste histoire de lever le voile sur ce mystère, oui, je pense que je tenterai le tome suivant. Par contre, c'est clair et net que je l'achèterai non pas neuf, mais en occasion, parce que sincèrement, je ne mise pas beaucoup d'espoir dessus. C'est donc une lecture dont, vous l'aurez compris, je ressors franchement plutôt mitigée, qui m'a un peu fait l'effet d'un film hollywoodien assez moyen, réalisé par un réalisateur débutant qui a envie de se faire connaître en reprenant peut-être les recettes connues de ses prédécesseurs. Le tout joué avec un peu des acteurs de seconde zone. Je suis désolée, c'est vraiment pas dans un élan de méchanceté que je dis ça, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Donc voilà, je pense que c'est typiquement le genre de lecture facile, parfait, vous voyez, pour l'été en bord de plage où on met son cerveau de côté. Mais malheureusement, pour moi, ce n'est clairement pas un roman policier mémorable. En tout cas, pas l'un de ceux qui marqueront mon année 2022. Ça, c'est certain. Donc voilà, petit loupé avec Nicolas Beuglé. Que voulez-vous, voilà. Pas toujours avoir des réussites. Dernièrement, j'ai fait de très bonnes lectures. Donc, on va dire que ça rééquilibre un petit peu la balance, hein, même si j'aurais préféré que la balance reste au beau fixe. Et sinon, je voulais vous dire aussi que durant la nuit des noctambules, il y a eu un troisième défi qui était à relever. Troisième défi qui consistait à poster une photo d'une saga littéraire que l'on traîne depuis un moment. Et du coup, je me suis dit que bah voilà, j'allais y répondre là avec vous. Alors, je ne vais pas poster une photo, mais je me dis que ce serait pas mal d'aller faire peut-être un petit tour dans ma bibliothèque là derrière. Et puis que je vous montre peut-être justement ces sagas littéraires que je traîne depuis un petit moment
Et puis après, je terminerai du coup en vous disant rapidement, parce qu'il n'y a pas mille choses à en dire, ce que j'ai pensé du tome 2 de la saga Hotel Summertime. Donc, je vous avoue que je n'ai absolument pas réfléchi à la question. Je suis certaine hein, qu'il y a plein de sagas littéraires que je traîne depuis un moment, mais j'ai pas forcément un nom qui me vient en tête là tout de suite. Alors si je regarde là-haut, bon bah les Sherlock Lupin et moi, je les traîne pas vraiment puisque j'en lis quand même assez régulièrement. Par contre, je suis en train de me dire là que les Départements V de Jussi Adler-Olsen, le dernier, ça fait un moment que je l'ai lu. Donc ce serait pas mal que potentiellement j'en relise un très bientôt. Les Ellen Grace de M.J. Arledge, c'est pas du tout une saga que je traîne puisque je suis complètement à jour. La saga, la première trilogie de Nicolas Beugler est terminée. Pour ce qui est de Donato Carisi, je suis à jour, ou en tout cas de tout ce qui est sorti au format poche, puisque hormis les deux derniers que je dois racheter du coup en poche, je vais attendre qu'ils sortent en poche pour les lire parce que bah, vous voyez, les trois quarts, je les ai en poche. Mais on peut pas dire que c'est quelque chose que je traîne. Les sagas Harlan Coben, là juste en dessous, ouais, j'avoue, pour le coup, je l'ai mis un peu à l'arrache. Donc, même s'il a quand même pas mal de one-shot, donc finalement, je crois qu'à part sa saga avec Myron Bolita et celle avec son neveu, on peut pas vraiment dire que je les traîne non plus. Ah, si, il y a le, en bas, je le vois là, le tome 1 de Vernon Subutex de Virginie Despentes, que j'ai lu il y a un moment en lecture commune avec Amélie, que pourtant j'avais bien aimé, mais ouais, j'avoue que pour l'instant, je n'ai pas du tout lu la suite, et il serait peut-être grand temps que je m'y mette. Parce que j'ai pas le tome 3, mais je sais que j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Ensuite, à ce niveau-là, les Lisa Garner, bon, je peux pas vraiment dire que je les traîne, parce que j'en lis aussi assez régulièrement. Les Moaider, pareil, j'ai pas terminé la saga John Caffrey ? Ouais, c'est ça, j'ai toujours un doute. John Caffrey, j'en lis assez régulièrement, donc je les traîne pas trop. Par contre, là, clairement, les Hannibal Lecter, il serait temps que je m'y remette, parce que en plus, je les ai tous dans ma pile à lire. C'est un personnage que j'aime beaucoup, donc c'est une honte qu'elle ne soit pas terminée. Je vais vite m'y atteler. En tout cas, je vais essayer. La saga, pareil, la trilogie des ombres de Ingrid Asson, j'ai le dernier que j'ai eu à Noël, il serait temps que je le lise. Les Ragnar Jonasson, oui, j'ai pas trop avancé, mais c'est pas une saga dont je suis hyper fan, donc voilà, quand je tombe sur un tome en occasion, pourquoi pas, mais on va dire que je ne cours pas après, donc pour l'instant, elle est un petit peu à l'arrêt. Bon, les Kings, voilà. Les sagas des Kings, j'ai terminé la trilogie des femmes battues et j'ai terminé aussi, il y a bien longtemps, la trilogie Monsieur Mercedes. Et puis bon, de toute façon, le King, vous savez, j'en lis régulièrement. Ah si, celle-là, je la traîne. Très clairement, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Millennium et le 2, je l'ai lu il y a un moment et j'ai toujours pas embrayé sur le 3. Pourquoi, je ne sais pas, alors que pareil, c'est une saga que j'aime beaucoup, mais... Je pense qu'à mon avis, c'est tout simplement parce que c'est des petits pavés qui demandent de se dégager quand même pas mal de temps de lecture. Et comme en ce moment, j'en ai pas trop, voilà. Je pense que c'est très clairement pour ça que j'ai pas encore sorti le tome 3. En bas, non, là, il n'y a pas de... Ah si, il y a une saga que je traîne depuis très longtemps. Glacé, le tome 1 de Bernard Minier. Mais je la traîne tout simplement parce que je n'avais pas le tome 2 en ma possession, que je viens de commander hier sur Vinted. J'ai tout le reste, je crois, de la saga, mais j'avais pas le tome 2. Donc là, une fois que je vais enfin recevoir ce tome 2, je vais pouvoir le lire. Cinder, le tome 1 des Chroniques Lunaires, je vous ai montré, j'avais le tome 2, il serait temps que je le sorte. Là, les sagas de Nadine Monfils, mais pour le coup, pareil, j'en lis assez régulièrement, donc on peut pas dire que je la traîne. En dessous, il n'y a pas de saga, ou alors il y a des sagas terminées. Là, pareil, je pense pas qu'il y ait des sagas, ou en tout cas il y en a des terminées, mais il n'y en a pas en attente. Et là non plus, ah si, ouais, pareil, je la traîne pas, j'en lis quand même de temps en temps. La,
la série des Geek Girls. D'ailleurs, je vous avais montré le quatrième tome au début de ce vlog. Ouais, non, je suis quand même pas trop mal à jour sur mes sagas. Hein. Je trouve que j'ai fait pas trop traîner. Après, on a les Franck Tillier. C'est vrai que le dernier, il y a un petit moment que je l'ai lu. Donc, c'est pas impossible que prochainement, je... Là, on a ces one shot. Et là, on a la saga Charcot et Nobel. Et ouais, c'est carrément pas impossible que je me fasse très prochainement la suite de cette saga-là. Et puis, enfin, pour terminer, bah, la saga des vilains. Pareil, je vous ai montré deux tomes qui sont en attente dans ma pile à lire. Je sais pas trop ce que j'attends pour le coup, parce que ça se lit bien, ça se lit vite. Mais ouais, ça traîne un petit peu. Et là-bas, les sagas de Fred Vargas que j'ai lues pour le coup, j'ai tout lu de Fred Vargas depuis un moment, donc je suis clairement à jour, et ce, depuis un certain temps. Bon bah finalement, ce petit tour de mes bibliothèques m'a plutôt rassurée, parce que je trouve que, ouais, j'avance quand même régulièrement mes sagas. Finalement, je crois que celle que je laisse le plus traîner, et qui à mon avis va avancer peut-être le plus lentement, ce sera, comme je le disais, les Millennium. Ouais, je pense que c'est celle qui va avoir le plus de mal à se clôturer, entre guillemets. Mais sinon, non, je peux pas vraiment dire finalement que je laisse traîner mes sagas. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et une petite satisfaction personnelle. Et du coup, comme je l'ai dit, je vais passer à mon avis sur le tome 2 justement de la saga Hotel Summertime. Alors dans le tome 1, on faisait la connaissance d'Amy, une jeune fille qui était parachutée dans un petit village qui s'appelle Foxwood, qui avait découvert une sorte de vieil hôtel un peu miteux, à moitié hanté, pour lequel elle s'était prise d'affection, qui avait fait la rencontre d'autres enfants dans ce village, et bref. Une aventure s'était tissée autour de ça. Elle avait aussi été parachutée là-bas avec sa demi-sœur. Toutes les deux venaient à la base de Londres, et là elles étaient parties, enfin... Elles avaient été plutôt envoyées chez leurs grands-parents pour passer les grandes vacances d'été, et c'était pas vraiment, l'entente n'était pas vraiment au beau fixe entre les deux filles. Et donc dans ce tome 2 qui s'appelle Tania, donc du nom de la demi-sœur d'Amy, on va de nouveau retrouver nos deux jeunes filles dans la ville de Foxwood autour de l'hôtel Summertime. Ce coup-ci, je crois que ça se passe quelques mois plus tard, durant non pas les vacances d'été, mais peut-être les vacances de Toussaint ou quelque chose comme ça. Et oui, c'est pendant la période d'Halloween. Je suis en train de me repenser à l'histoire. Et dans le village, il y a donc un festival qui est organisé autour d'un grand réalisateur qui a donc vécu dans ce village, qui a tourné pas mal de films justement dans l'hôtel Summertime. Et les enfants, enfin les filles avec leurs amis vont se mettre en tête d'organiser un petit événement autour de ce festival et de ce réalisateur-là. Et bien sûr, une petite aventure des quiproquos, des petites disputes et réconciliations vont se mettre en place. Je suppose que vous voyez typiquement dans quel genre de roman on va se situer. C'est donc une petite lecture jeunesse toute mignonne qui, j'en suis persuadée, passera très bien auprès des jeunes lecteurs. J'ai donc retrouvé cette ambiance que j'avais déjà eue dans le tome 1, à savoir, comme je le disais, cette bande de gamins qui vivent des aventures à leur échelle autour de ce vieil hôtel Summertime dans ce petit village de Foxwood. Ce roman, en fait, en le lisant, je me suis fait la réflexion que c'était un petit peu le club des 5 revisités. On a vraiment ce noyau dur d'amis composé de filles et de garçons, voilà, qui vivent des aventures, qu'on retrouve à chaque fois. On a aussi d'autres personnages plus secondaires qui gravitent autour d'eux, que pour le coup on a un peu tendance parfois à confondre, mais bon, c'est pas vraiment quelque chose qui a finalement une grande importance. Une fois de plus, avec ce tome, on a vraiment, je trouve, ce sentiment que c'est une saga jeunesse complètement voilà, calibrée justement pour la jeunesse, et en ce sens je la trouve très bien réussie. Le vocabulaire est adapté sans non plus être trop simpliste, et l'histoire, elle, véhicule de beaux messages autour de l'amitié, de l'entraide, du pardon ou encore de la générosité par exemple. Mais dans ce tome-ci, l'auteur s'est accordé pour mission de faire passer comme message à ses lecteurs qu'il est important de parler de ses tracas à ses parents, parce que dans le cas contraire,
ça peut bien souvent clairement empirer les situations. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et surtout très judicieux de faire passer ce genre de message à un jeune lectorat. Les personnages, eux, sont mignons, drôles et touchants. Par contre, j'avoue que je n'ai pas trop compris pourquoi ce tome 2 s'intitule Tania, parce que j'ai vraiment trouvé que, comme dans le tome 1, c'est le personnage d'Amy qui est vraiment central, que ce soit d'ailleurs à l'histoire ou à ce groupe d'amis. En bref, c'est une lecture toute mignonne, parfaite pour les jeunes lecteurs et qui personnellement m'a apporté une petite parenthèse de légèreté, ma foi, fort agréable. Une première saga jeunesse que je peux tout à fait recommander à des jeunes lecteurs. Alors non, ce n'est pas d'une originalité folle, mais en attendant, ça fait le job. Le job d'une première aventure légère, sans intervention d'éléments fantastiques ou de fantaisie, avec qui plus est des personnages auxquels je suis persuadée les jeunes lecteurs pourront complètement s'identifier. Donc voilà, vous l'aurez compris, ça ne sera pas la lecture de l'année pour moi, ni même, je pense, la lecture jeunesse qui sera la plus réussie dans mes lectures jeunesse de 2022. Mais en attendant, j'ai passé un très beau moment de lecture, je vous le dis, hyper mignon, hyper touchant, et je pense que vraiment pour les tout jeunes lecteurs, ça peut complètement le faire. Voilà, c'est donc ainsi que je termine ma petite session de rattrapage du Club des Noctambules. Je suis plutôt contente. Alors clairement, je n'ai pas dégommé 50 livres, mais j'ai lu un peu plus de 300 pages, il me semble. J'essaierai de vous mettre mon décompte de points là à côté. Donc un peu plus de 300 pages, je suis restée éveillée 6 bonnes heures, même plus. J'ai relevé 3 défis et j'ai donc lu 2 livres également dans la thématique de cette session. Donc voilà, je ne sais pas combien ça a fait exactement, j'essaierai de calculer et de vous mettre tout ça ici. En tout cas, ouais, j'ai été contente de m'accorder un petit peu de temps pour moi et de partager ça avec vous. J'espère, voilà, même si j'ai pas pu vous parler de 15 bouquins, que ce vlog aura quand même été agréable et vous aura diverti. Et voilà, si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mettez des petits pouces levés. Sur ce, moi je vous retrouve au plus vite sur la chaîne, je fais au mieux comme d'habitude. Et je vous attends pour papoter en commentaire. Et en attendant, bien sûr, je vous souhaite plus que tout paix, amour et littérature dans vos cœurs. À bientôt, bye !